Mais il est vrai que les échecs, c'est un exemple pour la jeunesse. C'est une école de la vie, c'est une école de la discipline, une école de la concentration, une école de la maîtrise de soi et une école du respect des autres. Et si ce n'est pas ça que l'on peut apprendre à notre jeunesse, qu'est-ce qu'on peut leur apprendre? Aller se battre sur des stades, aller faire les fous dehors, il faut aussi que la jeunesse s'amuse. Et donc je pense que, en plus, de manière philosophique, au-delà de l'intérêt que ça revêt pour Corté, pour la micro-région et pour les activités socio-éducatives et pour le développement du lycée de Corté, au-delà, c'est une véritable école de la vie. Bravo à tout le monde et je souhaite longue vie à Gazé Iscari des Cortes et longue vie au club local. Et merci encore. Bravo. Merci. D'être auprès des jeunes, auprès des activités sociales et éducatives, et donc de soutenir toutes les démarches, et même les démarches donc pour les jeunes, les démarches rurales, les démarches au nord d'Ajaccio. Donc la démarche de la maison des échecs, la démarche initiée par les Ligues Corse des échecs, doit être un exemple qui doit se poursuivre en Corse, et la mairie d'Ajaccio compte aller vers là, donc tout l'objet de notre présence, de dire que nous continuerons nos activités, nous le faisons déjà, nous recevons souvent M. Balzé et Serge Arsio, ce n'est pas la première fois que nous recevons. Juste quelques mots en fait sur le club, puisque le club du Tchintre occupe ses locaux. Les cours ont lieu donc pour les enfants le lundi soir, mardi soir, mercredi dans l'après-midi, début d'après-midi, pour les adultes qui m'ont demandé, je vois certains dans la salle d'ailleurs, le mercredi soir et le samedi après-midi. Donc voilà, tout un tas d'horaires. C'est ouvert, vous pouvez venir jouer, n'importe qui, pas besoin d'être inscrit au club, c'est la maison de... Et c'est le symbole que dès le moment où on développe une politique de masse sur le terrain, l'élite, elle naît de nous-mêmes, elle n'est pas importée, elle n'est pas éphémère, mais elle est durable, c'est ce que nous voulons faire, pas seulement pour les échecs, mais j'espère pour tous les sports. Voilà ce que je tenais à dire. C'est moi.